Illusion dans les médias, alors que les statuts de l'UFDG prévoient une procédure par laquelle il faut passer pour exclure un membre, c'est-à-dire on convoque d'abord la personne qui est c'est-à-dire soupçonnée d'avoir commis une faute disciplinaire à l'encontre du parti. Et donc si la personne est convoquée pour un entretien, alors on lui notifie les charges, il se défend et puis une décision est rendue par le bureau politique ou alors l'instance chargée. En tout cas, de rétablir la discipline dans le parti. Malheureusement, dans ce cas, ça n'a pas été le cas. La procédure d'exclusion de M. Ba a été viciée à tout bout de champ, et c'est ce que nous avions relevé, et donc le juge nous a suivis. Nous pensons que le droit a été dit. Merci beaucoup, merci. Vous en votre nom, monsieur. Votre nom, Maître Panaï Emmanuel Bamba, avocat à la Cour. Maître.